la 5e édition de la Coupe du recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, organisée du 23 au 27 juillet 2024 à Jamia Djo, a été un véritable succès. Sous le thème l'UNCHK, modèle d'équilibre, d'ouverture et de solidarité, cet événement a rassemblé les étudiants des 17 espaces numériques ouverts du Sénégal pour célébrer l'excellence sportive, culturelle et citoyenne. La ville de Jamia Djo a offert un cadre exceptionnel pour cet événement avec l'université Amadou Martambo, l'annexe du stade Abdoulaye Wade et le complexe sportif Dakar Arena de Jamia Djo, contribuant ainsi au succès de cette édition. Les compétitions sportives ont été marquées par des performances de haut niveau. Lino Dumbourg a triomphé au football, tandis que Lino de Thiès a dominé le tournoi de handball féminin. Les esprits créatifs se sont distingués lors du hackathon avec la victoire de Leno Dunjoum pour son projet innovant PC Connected. Le Scrabble a été remporté par Seydina Omar Bou de Leno de Kaolack, mettant en avant l'importance du développement intellectuel. Enfin, en e-gaming, l'équipe Talibé, composée de Seyne Bougnan, Aliou Diallo, Ibou Ammar et Samuel Sambou, a séduit le jury avec son jeu inspirant intitulé L'histoire de Ali. Le concours talent UNCHK a révélé des artistes prometteurs avec Jim Omar Mohamed Gueye de Leno de Kaolack qui a séduit le jury par sa prestation de rap. Cette cérémonie a été également embellie par des passages culturels représentant le Sénégal. Au-delà des compétitions, la Coupe du recteur a démontré un fort engagement citoyen. Les étudiants et le personnel de l'UNCHK ont fait don de sang et distribué des denrées à la maison d'arrêt et de correction d'Orifis et à l'association Cœur Fatou, témoignant ainsi leur solidarité et leur générosité. Ce succès est le fruit d'un travail collectif. Merci à Monsieur le Recteur, aux sponsors, aux partenaires et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour une nouvelle célébration de l'excellence, de l'ouverture et de la solidarité.